Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream de Dragon Quest, sur cette vidéo de Dragon Quest Builders 2. Donc on est rentré sur l'île de l'éveil dans la dernière vidéo et ils nous venaient de dire qu'ils avaient fini la deuxième partie de la pyramide. Et moi je vais manger. Il y aura bientôt un extraordinaire attraction touristique sur cette île et les gens vont venir de partout pour voir votre pyramide, notre pyramide. Allez hop, si on en mine pas, on aura terminé la construction en moins de vas-y nana tout. Dessine-moi le plan de la troisième partie, tu veux. Alors là, ça me plaît vraiment, on a tout. Allez, mes petits, qu'est-ce qu'on attend? C'est que nous avons hâte de recommencer à construire. J'ai placé de nouveaux blocs dans le coffre, ça devrait suffire pour finir ce morceau de la pyramide. Tu peux nous aider si tu veux, Nanatou, mais si tu as autre chose à faire, laisse-nous nous occuper de la construction. Dans tous les cas, travaillons ensemble pour faire de cet endroit le plus merveilleux qui soit. Oh oh oh. Nanatou, malheureuse, quelle joie de vous retrouver sans et sauf. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour vous souhaiter la bienvenue, j'aimerais que vous faire un cadeau d'un petit quelque chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une cloche te fait rendre la vie plus facile. Tu pourrais t'en servir pour récolter toutes les gratitudes comme sur les autres îles. Oh oh, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu peux en construire une si tu sais. Un instant, tu veux dire que tu ne sais pas toujours pas comment fabriquer une cloche de bâtisseur. Cloche, impressionnante cloche en or qui résonne fortement. Oh oh, je vois que tu as fabriqué une cloche, ça devrait être bien utile. À tout le monde qui nous, ça nous fait plaisir de te revoir. Nous sommes contents de revoir ça en un seul morceau. Comme tu le sais, nous avons chassé ces affreux mercenaires, mais ils pourraient revenir nous attaquer à tout moment. Nous devons rester
lente toute la journée. Que de stress, mais que de stress, il nous faut un plan au cas où je revienne. Oh, mais écoute, nous parler de frère Abajo. Oublie ça. Et oublie ce que nous venons de dire. Hormis le sort funeste que nous attendons, nous avons réfléchi. Qui nous attend, nous avons réfléchi à un moyen d'attirer les touristes dans cette région. Il nous faut une boutique. Tu sais, un endroit où vendre des souvenirs et des encassons. Ça, c'est pas un lieu touristique. Est-ce que tu pourrais construire une boutique d'objets pour nous, Nanatou? L'intérieur de la pyramide. Il faudra que tu places une enseigne de boutique sans oublier deux mâles, une table et une étiquette de prix. Montre-toi à l'un de tes postes de fabrication s'il y a des objets que tu n'as pas encore fabriqués. Ça apprendra peut-être ta recette. Deux, il me semble. C'est bon. Thank you.
d'objets à l'intérieur de la pyramide ancienne, deux mâles, une table et une étiquette de prix. C'est l'ancienne. Même pas. Thank you.
tu as construit notre petite boutique d'objets. Ça mérite notre remerciement. Les gens vont venir de loin pour voir notre oasis et nos pyramides. Et nous vendrons plein de gabioles aux touristes. Mais Désiré, tu n'aurais pas oublié quelque chose? À quoi servir une boutique s'il n'y a pas de vendeur? Pas d'inquiétude, cher petit Dieu, nous avons pensé à tout. Merci de nous avoir construit une boutique de Genato. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un vendeur ou une vendeuse. Nous ne pensons pas que nous ferions affaire, nous sommes bien plus utiles ailleurs. Tu aurais peut-être fait venir un vendeur d'une autre île. Allez, ça va nous trouver ça sur les îlots des explorateurs. Le capitaine a dit qu'il avait repéré une nouvelle ligne scintillante. Le marchand adore tout ce qui brille. Ça devrait aller voir là-bas. Il trouvera peut-être quelqu'un pour s'occuper de notre boutique avec une grosse barbe bien garnie. Va dire au capitaine Barbe Brune que tu veux aller sur l'île Saint-Yonde. Il saura de quoi tu parles. Ça va nous rapporter un beau vendeur bienvenu pour la boutique. Ouais Nanatou, dans quelle direction tu as levé les voiles aujourd'hui? Et j'ai vu l'ensoleillé. Il est sur le centre. Ça boira de barbeur. À partir de maintenant, tu vas mettre le cap sur le. Oui. Bon, ouais. Allez, on monte. C'est parti. Là, je viens de voir que j'avais deux nouvelles îles. Je vais essayer de les faire en même temps. Avant de continuer l'histoire. Parce que, ouais, ça me rapporte pas mal de choses. Surtout des minerais infinis. Demande,
te mouiller. Canada, toi, prends une nouvelle recette. Les bombes du chaos. What?
Qu'est-ce que j'ai? Encore des monstres ou bêtes, c'est bien. Yeah.
grosse tête de chevet aviron.
j'accepte. J'aimerais bien c'est pio. Bon ben je vais arrêter de tourner maintenant et je vous reprends dès que j'aurai la manette qui fonctionne bien.